Donc on va commencer à réduire maintenant la première expression, c'est-à-dire racine de 50 moins 2 racine de 8 plus 3 racine de 18 moins 7 racine de 2. Donc avant de commencer cette réduction, il faut d'abord se demander, est-ce qu'on peut les additionner directement comme ça? On lève la main, oui? À première vue, non. À première vue, non, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes racines. Ils n'ont pas les mêmes racines, n'ont pas les mêmes radicands dans les racines. Mais à deuxième vue, on a dit à première vue, c'est pas possible, mais à deuxième vue, on peut voir que ça contient des nombres carrés. Donc, à ce moment-là, on est obligé de simplifier chacune des racines pour pouvoir le faire. Racine de 50, est-ce qu'on peut écrire racine de 50 comme un produit de deux nombres dont l'un est un carré? Lorraine? Ostavois? 5 racines de 2. Et pour arriver à 5 racines de 2, c'est racine de 25 fois 2, tu as raison, ça va donner 5 racines de 2. Moins 2 racine de 8. Donc le racine de 8, comment est-ce que je pourrais l'écrire? Oui. Racine de 4 fois 2. Racine de 4 fois 2, très bien. 2 racine de 4 fois 2. Plus 3 racine 18. Oui, Mathias. De 9 fois 2. Racine de 9 fois 2. Moins 7 racine de 2. Égal. Donc maintenant, on continue avec la deuxième étape de la simplification et on va aller le plus lentement possible. Donc ici, on va diviser, c'est comme on avait dit, c'est comme si on avait des ciseaux. On va couper la racine en deux, racine de 4 et racine de 2. Donc, racine de 4 va être égale à combien? 2. Donc on aura 2 fois 2. Plus tard, on ne sera plus obligé d'écrire cette étape intermédiaire, mais maintenant, on va l'écrire. Plus 3 fois racine de 9 fois racine de 2. Racine de 9 est égale à combien, Salam? 3. Racine de 2. Moins 7 racine de 2. Et maintenant, on calcule. Moins 4 racine de 2 plus 9 racine de 2 moins 7 racine de 2. Et comment faire maintenant? Comment continuer maintenant? Oui. On les additionne tous parce qu'on a la même racine. Très bien. Les mêmes radicands aussi. Donc 5 moins 4, ça fait 1. Ça fait 1. 1 plus 9, 10. Moins 7, 3. Donc réponse finale, 3 racines de 2. On va faire maintenant l'expression suivante, celle qui est en dessous. Racine de 32 moins 3 racine de 243 plus racine de 128 moins racine de 27. Égal. Bon là, qu'est-ce qu'on fait? Racine de 32. 32, est-ce que 32 peut contenir un produit ou peut devenir un produit que contient un carré? C'est 16 fois 2. C'est 16 fois 2, très bien. Donc racine de 16 fois 2. Donc si on va faire sortir le racine de 16, on va le diviser, on aura un 4 racine de 2. Donc pour le 243, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Très bien, si on n'est pas sûr, si on ne sait pas quoi faire, il y a toujours moyen de décomposer en facteur premier pour voir ce qu'on pourrait trouver. 243. D'abord, est-ce qu'on peut diviser par 2? Non. Non. Ce n'est pas un nombre pair. Par 3? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Pourquoi? Il faut additionner. Parce que la somme. Oui. La somme de tous les chiffres, ça fait un nombre, ça fait 9 qui est divisé par 3. Oui. Donc on peut diviser par 3, effectivement. Donc 24 divisé par 3, ça fait 8. Et 3 divisé par 3, ça fait 1, donc ça fait 80.
81 par 3. 27. 27. Par 3 encore. 9. 3. Donc je pourrais écrire racine de 243 sous la forme racine de 3 exposant 5. Mais 3 exposant 5 va me poser un problème. Parce que l'exposant est justement un nombre impair. Si c'est un nombre impair, c'est pas possible de le faire. À ce moment-là, on doit écrire 3 exposant 4 fois 3 exposant 1. Comme ça, on peut diviser tout simplement l'exposant 4 par 2 pour y arriver. 128. Oui. Pose ta voix. 49. Non. On va diviser en deux, décomposer en facteur premier si on ne le connaît pas. De toute façon, 128, c'est un nombre qui va revenir plusieurs fois parce que c'est un multiple de 2. C'est une puissance de 2. Donc, 2, ça fait 64. 2, 32. 2, 16. 2, 8, 4, 2. Donc finalement, ça va être 2 exposants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encore. Donc un exposant impair. Donc ce qu'on va écrire, c'est 2 exposants 6. Fois 2. Oui. Et racine de 27. Oui. Si tu as vu directement que c'est 64 fois 2, excellent. Mais je profite de cette vidéo pour revenir en arrière et expliquer les puissances. Oui. Oui. C'est 9 fois 3. On peut décomposer en facteur premier, mais pour le 27, ça ne sert à rien, c'est trop simple. Et on trouve 9 fois 3. Alors maintenant, racine de 16 va donner 4. Racine de 2, oui. Moins 3 exposant 4, ça va devenir 3 exposant 2, donc 3 fois 3 exposant 2. Racine de 3, plus 2 exposant 6. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cet exposant-là? On divise par 2, oui, pour trouver 2 exposant 3, racine de 2. Moins 3, racine de 2. Égal. 4 racine de 2, c'est déjà fait. Moins 3 fois 9, 27 racine de 3. Plus 2 exposant 3, c'est 8. Racine de 2. Moins 3 racine de 3. Est-ce qu'on peut donc simplifier cette expression ou non? Non. Oui, on peut. Oui. On pourrait simplifier donc ceux qui ont le même radical. Donc 4 racine de 2 plus 8 racine de 2 va donner 12 racine de 2. Et le moins 27 racine de 3, moins 3 racine de 3 va donner moins 30 racine de 3. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Je l'ai encadré parce qu'on ne peut plus continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Merci.